tant pis. Et vous lui demandez de tourner la tête à gauche. À gauche, à droite. Regardez s'il y a une différence gauche-droite. Vas-y, à droite. À droite. Après, c'est ça, à gauche. Une petite différence ensuite devant, derrière. Voilà, ça c'est une première chose. Après, vous faites vous-même le mouvement doucement, sans faire mal. Comme ça. Il faut voir les amplitudes. Flexion, extension. Voilà. Ensuite, je palpe d'abord le tout mal. Je regarde s'il y a des points qui sont douloureux sur les ligaments. À l'intérieur du trapèze. Alors lui, son pied est très souple. Le trapèze en lui-même. Et après, je fais tout ce qu'on a déjà vu. Donc, c'est-à-dire la palpation. Je regarde si des deux côtés, il y a la même souplesse. Et je palpe pour voir s'il y a des cordons. Cette zone-là, le long de l'omoplate, et éventuellement la partie postérieure du bras. Les points qui vont nous intéresser aujourd'hui, on va faire Feng Shi Gong Xue et on va faire des points Jiati, parce qu'il faut apprendre à les insérer. On va mettre Tatui, et c'est le Télémani Kozi, et on va mettre Roshi. D'accord ? Puis ça, c'est hein, son fou, c'est la protubérance occipitale externe. Je sais que je suis en dehors du trapèze, et à moitié chemin. Et là, ça ne suffit pas de dire c'est là, sous l'os, il faut que je cherche l'espace avec mon dos. Quand j'ai mon espace, si l'espace est là, je vais montrer l'espace là. D'accord ? C'est à ça que sert mon tuteur. Je suis pas là, moi je suis en dehors du trapèze et je sais que je n'ai pas mis de la Ça c'est la ligne vasculaire, vous vous souvenez de ça? Après on a ce qui est important ici, on va juste mettre un, mais c'est Tianju, mais en fait si vous avez une grosse contracture du trapèze, vous pouvez en mettre plusieurs. Donc les Tiachi. Donc je les palpe, c'est que le premier c'est L2. Et après je vais un peu plus bas, je prends L3. Donc c'est en dedans du trapèze. C'est indolore, totalement indolore. Là, c'est dans le cartilage, on est d'accord, celle du milieu. Là. Hein? Dans le cartilage entre les vertèbres, on est sur Doumag ou on est à côté? Tiachi. Ah, Tiachi, d'accord. Mais elles sont censées faire des effets, celles-ci, elles sont beaucoup moins. Hein? C'est juste pour faire. Elles font des effets. Je veux dire, est-ce qu'on le ressent? Est-ce que ça fait des effets? Est-ce qu'on les travaille pas trop ou... Alors, les Tiachi, on les met quand c'est des conflits radiculaires. Donc, il faut qu'il y ait une sensation plutôt sur le trajet nerveux. En revanche, Tianju,
La sensation, c'est le même genre de sensation que qu'on a travaillé là-dessus, des contractions des muscles. Et conché, c'est une sensation plus vasculaire, hein, de détente dans la circulation du sang. Ensuite, on va mettre la pathway. Vous allez cette fois-ci, dans l'exercice, vous allez l'enfoncer correctement. C'est-à-dire, je ne veux plus le truc qui pendouille, je vais du sérieux. Je serai sérieux. C'est qu'on peut. Si tu es encore vivant demain, c'est que c'est bon. Voilà. Vous voyez, un de l'or, totalement. Il se mord les joues. Je vais donner 100 euros avant le café. Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc vous travaillez concentré et après vous pouvez stimuler un peu les ennemis. Qu'est-ce que tu sens là? Ok, le chi sur toutes les aiguilles. Hein. Qu'est-ce que tu dis, Corinne? Deuxième cervicale. Ici, il y a une sensation, normalement, le fond chute. Une sensation qui peut aller vers l'œil. Quand c'est cervical, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a une sensation de décongestion vasculaire au niveau du cou. Donc, il faut que ça soit agréable. Le fond chute, il peut être très agréable dans les douleurs. Il peut être très agréable dans les céphalées. Voilà.